Voici ce qu'on apprend aux petits blancs d'Afrique du Sud. Nous avons peur d'eux parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Nous sommes 5 millions de blancs et ils sont 25 millions de noirs. 52. 52? 52 millions. 52 millions de noirs. Et ils veulent se venger de nous. Ouais. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Pour eux, les noirs sont des ennemis. C'est ce qu'ils apprennent aux enfants. Ouvrez les yeux de vos amis. Si vous voyez un ami tenir la main d'une femme noire, dites-leur que les lions ne peuvent pas se reproduire avec les hyènes. Pourquoi voulez-vous vous mélanger avec les noirs? Pourquoi voulez-vous mettre au monde des bâtards? Ils n'ont pas les capacités physiques pour différencier le bien du mal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ces blancs d'Afrique du Sud se font appeler des Afrikaners. C'est des blancs qui étaient là depuis le temps de l'apartheid. C'est des descendants de Néerlandais et d'Allemands. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue et que je ne comprends pas. Vous êtes en Afrique, si vous vous sentez menacé par les Noirs, si vous vous sentez menacé par des Africains, pourquoi ne pas simplement quitter l'Afrique du Sud et retourner à vos terres d'origine? L'Afrique, c'est aux Africains. Vous êtes venu dans une terre qui était déjà peuplée par des Africains. Alors, déjà que vous êtes venu, ils vous ont accepté, il y a eu des accords, vous vivez en Afrique du Sud, vous êtes Sud-Africain et vous vous sentez encore menacé en fait. Je ne comprends pas la logique.